Coucou les petits copains, les petites copines, j'espère que vous allez bien. Alors regardez, aujourd'hui, je suis dehors, il fait un temps magnifique, le soleil tape, le ciel est très bleu. Donc on avait une petite envie, avec Ellie et Mamounette, c'est de s'aérer un petit peu. Alors ce qu'on va faire, c'est que avec les règles du confinement qui se sont un peu allégées, on s'est dit qu'on allait aller se promener. Hein, mais on va pas se promener n'importe où, non. On va aller dans notre magasin préféré chez Jiffy. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas rendu entre ces rayons. Alors on s'est dit, on prend la voiture et on y va. Alors les petits copains, les copines, on vous invite à nous suivre dans les rayons de Jiffy, tout de suite après le générique. Un peu de gel, merci, c'est bon, voilà, parfait. Et nous revoici les petits copains, les petites copines, ça va les deux loulous? Oui, Mamounette, tu vois, on revient tout juste de chez Jiffy, on se met un petit peu de gel hydroalcoolique, c'est comme ça qu'on dit, hydroalcoolique, hein, du gil hydroalcoolique, du gil, c'est du gil, tu connais gil, ouais. Famille, c'est hydroalcoolique. Si on a bien fait de l'acheter, hein. Oui, on l'a trouvé chez Jiffy d'ailleurs, Mamounette, et si il est aux fleurs, ils sont terriblement bons. Et oui, en fait, c'est un petit gel hydroalcoolique qui avec une petite poignée en silicone. Oui. Regarde, montre-moi mon chat. Et si j'y suis arrivée. Et oui, vas-y. Et si on peut l'accrocher à un sac. Oui. Et c'est très. On l'a bien fait de l'acheter. Parce que comme ça, à chaque fois qu'on rentre à la maison, on l'utilise. Ah, bah oui, bien sûr. Alors il va vite se finir. Hein. Mais on peut aussi se laver les mains, hein. Ça n'empêche pas. Mais c'est pas mal, ça. On peut l'accrocher partout. On peut l'accrocher par exemple ici, là. Regarde. Ici, là, c'est bien. On peut l'accrocher là. Enfin, ah, on sent ton petit nez. Bon alors, les petits loulous, on revient de chez Jiffy. On a acheté plein de choses. Oui. On a acheté plein de choses, mais surtout les petits copains et copines. Restez bien jusqu'à la fin des vidéos, car il y a le clou du spectacle, Mamounette, à la fin de la vidéo. Un truc extraordinaire. Ah oui. Ellie voulait depuis très très longtemps et on l'a enfin acheté. Donc là, on va passer sur les petits objets qu'on a achetés d'abord. Et ensuite... Et après, un géant. Elle a tout dit. Vous verrez bien, il faut rester. Est-ce qu'elle a pas un peu spoilé? Mais là, d'accord, je fais un petit indice, ça commence par un B. Par un B? Oui. Ok, bah on sait pas. Oui, c'est vrai, ça commence par un B. Ouais, on verra et bien. Et ça a un rapport avec l'extérieur. Oui, on a trop dit. On a trop dit. On dit que deux indices. Bon, allez, vas-y, Mamounette, envoie les objets. Bon, alors on va commencer par les petits objets qu'Ellie a sélectionnés dans le magasin. Alors chez Jiffy, on a de tout. Il y a de la déco, du rangement, pour la maison, pour la cuisine, des jouets, pour l'extérieur en ce moment là. Hein, c'est le printemps, ils ont tout sorti. Alors, et là, Ellie, elle a craqué. Est-ce que tu sais qui c'est, Mamounette? Eh bien, c'est Dark Vador. Pas vraiment, c'est Golden Vador en fait, parce qu'il est tout en or. D'accord. Alors regardez, petite copine, il a la tête qui bouge, comme vous dit Ellie, regardez. Donc c'est une figurine pop. Oh super. Allez, on ouvre. C'est toi qui l'ouvre, vas-y, c'est toi qui l'ouvre. Mamounette, envoie autre chose. Eh bien, je vais te faire passer la seconde. Regarde, regarde, elle a un ressort sur la tête. Je vais la mettre dans ma voiture, comme ça quand je conduirai, elle fera vraiment... Je suis ton père. Ah, elle est très jolie cette petite figurine pop. Et oui, c'est vrai que la tête est montée sur ressort. Ok, très sympa. C'est rigolo, Mamounette. Bon, on a craqué sur une autre figurine pop. Tiens. Je s'appelle Groot. Et oui, je s'appelle Groot. Vous connaissez les petits copains de Groot. Il est trop mignon quand il est tout petit. Oh oui. Alors vas-y, essaye de tirer. Oh oui. Oui, parce qu'en fait, dans le film Groot, et ben en fait, c'est un peu triste, hein, il meurt. Mais en fait, il renaît comme une plante, en fait. Il y a un bourgeon. Et le bourgeon, c'est un petit Groot. Oh, c'est les gardiens de l'espace. J'adore. Les gardiens de la galaxie. J'ai dit les gardiens de l'espace. Regarde, il rebouge. Oh, lui aussi. Regarde. Oh, il a un ressort. Mais c'est une version spéciale. Mais oui, regarde, spéciale édition, c'est écrit là. Oh, sympa. Regarde, il y a tout ça. Pour les deux, pour les deux. Ah, regarde, cool. Spéciale édition. Mais là aussi, ce sont des éditions un peu spéciales qui ont les têtes qui bougent comme ça. Oh, regarde, Groot, il est tout petit. Je s'appelle Groot. Il a la bombe dans les mains. Waouh. Je s'appelle Groot.
Je s'appelle Groot. Est-ce qu'on n'est pas un peu excité? Moi je vais adorer hein, les gardiens de la galaxie, super film. La suite, Mamounette. Alors, après la partie, rayon peluche. Donc peluche. On a trouvé des filles, des petites peluches-ti. Ah oui, alors, ti ou taille? Taille. Taille? Taille. Alors, je sais pas. Moi je connais les pas de taille, alors, mais les peluches-ti. Le riz taille. Alors lui, il est noir. Ouais, et il s'appelle comment? Il s'appelle Tracer, il est né le décembre 7. Le 7 décembre, Tracer. Tracer ou Tracer? Le décembre 7. Tracer, le décembre. Oui, on le dit en américain. Alors, lui, le c'est un petit caniche, ok, il est mignon. Il s'appelle comment? Whisky. Wimsy. Ah, Wimsy, pardon. Wimsy. J'avais lu Whisky. Et c'est le... C'est l'été, le 22 été. C'est ça, August. Ah, août. Le 22 août. Le 22 août. Regarde celui-là, il est en sequin, ma mounette. Oh oui, il est tout en sequin, celui-ci. Et lui, c'est une taille moyenne, il est assez gros quand même. Donc c'est un chat. Il est très mignon, bah, pas très doux, bien sûr. Mais il y a des choses décrites dessous, ma mounette. Tiens, Lucasfilm. Lucasfilm, regarde, c'est vraiment, 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 vraiment la vraie de vraie marque. Hein. Ah bah oui. Oh, oh là, là 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 là, c'est trop incroyable. Bon, ensuite, ma mounette, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le moment, c'est assez jouet. Hein. Oui, tout à fait. Donc, on continue, on est parti sur des loisirs. Coloriage. Coloriage à l'eau. Comment on peut colorier avec de l'eau, ma mounette? Explique-moi. Parce qu'en fait, on met de l'eau dans le petit pinceau et en fait la couleur se trouve déjà dans les feuilles et en fait ça réveille la couleur en passant avec le pinceau. Comme ceci. Des petits livres de coloriage à l'eau et le pinceau il est juste au-dessus, regardez. Voilà, on met le petit réservoir, on met de l'eau dans le réservoir et ça colorie les pages. Regardez les pages qu'on a dedans. Oh, c'est sympa des petits coloriages. 6 pages et un crayon à l'eau. Ensuite, on est parti au rayon librairie. Librairie, oh oui, Ellie adore lire. Alors, on a acheté. Elle nous raconte des histoires. Rose, LOL, surprise, un hiver étincelant. Oui, LOL, forcément. C'est 5 euros le petit livre. Regardez. Voilà, Ellie, elle est en CP, donc les petites histoires comme ça, la bibliothèque rose, c'est super, vous voyez, c'est écrit gros. C'est pas trop long, c'est assez sympa et Ellie, avec Ellie, on adore lire. Et regarde, Mamounette, ça tombe bien, Ellie a 7 ans, c'est pour les 6-8 ans. Ouais. Regarde, maîtresse. Et là, regarde, Mamounette. Maîtresse. On a trouvé un autre livre super sympa avec une licorne. L'école des licornes. Ah, c'est dur à dire. C'est dur à dire, mon cœur. L'école des licornes. Toujours dans la bibliothèque rose, l'école des licornes. C'est vachement. Alors, on a acheté LOL, surprise, une nouvelle année, une nouvelle bébé. Regardez, un autre LOL. Un autre livre LOL. Un second. Ok, toujours dans la même collection. Et ensuite... 64 pages quand même. Ouais, c'est pas mal. Alors c'est un jeu que j'adore, c'est Roblox. Et regardez. Roblox? Oui. Et du coup, un livre sur Roblox. Alors Ellie adore Roblox, c'est son jeu préféré. Un de ses jeux préférés, parce qu'Ellie elle aime beaucoup les jeux vidéo. Comme sa mère. Ouais, comme son père plutôt. Mais moi j'aime bien aussi. Regardez comme il est beau. Alors regardez, c'est un grand livre qui reprend plein de petits types du jeu Roblox. Voilà, il y a plein de choses, plein d'infos, plein de trucs à savoir. Voilà. Le meilleur jeu de combat, Mamounette. Ouais. Bon, sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pris un ciseau au cas où, pour le moment, on n'en a pas besoin. Non, alors ensuite, ben, on pense toujours à notre petit boubou de l'amour. La baguette notre magique chien. D'Harry Potter. Ouais, ça peut. Abracadabra, oui, gâteau, les dieux, ça. Oh, non, la mamounette. Oh. Non, t'es sur tes pieds, hein. D'accord. Est-ce que tu y arrives? Alors ça, tu comme copine, si vous utilisez un ciseau, vous le savez, faites-le faire par une grande personne. Ellie, elle a carrément l'habitude. Bah oui, je dis tout le temps, c'est la sécurité. Et donc, c'est un jouet pour les chiens qui est hyper résistant et ça leur permet de faire leur dentition et tout. Ils adorent. Oh, peut-être me suis pris dans la tronche. Bah oui, j'ai vu, hein. Qu'est-ce que tu fais, Doudou? Faut faire très attention. Qu'est-ce que tu as vu dehors? Y'a rien. C'est une pie? C'est une pie, Mamounette! Oui, alors on a à côté un petit bout de terrain où il y a de l'herbe et un arbre. Et on a mis des petites graines et les pies viennent picorer de temps en temps. Ben, moi je regarde, mais je peux pas trop tourner la caméra là, mon cœur. On vous montrera parce que après, à la fin de la vidéo. On ira dehors, allez! Clou du spectacle dehors! Allez, montre-moi ce joli jouet. Est-ce que j'ai acheté ce qui est dehors? On dirait une branche de bois. Ça fait depuis 15 000 ans qu'elle attend. Ben oui, bien sûr! 15 000 ans, elle a 7 ans. Donc c'est un jouet en forme de branche, voilà. Super. Ensuite, on part sur la gourmandise. Toujours un petit rayon avec des confiseries. Des sous? Oui, tout du à fait. Du pognon, de l'oseille, du blé. Ce sont des flouzes à manger. Des flouzes,
du... Comment on dit maintenant, Mamounette? De la moulaga. La moula. La moula. Alors, on va l'ouvrir. Alors, pour l'ouvrir, il faut péter un truc, je crois. Hein. Ouais, c'est là. Non, c'est là. C'est comme ça. C'est là, regarde. Peut-être il y a un petit teuteu. Alors, les petits copains de copines, ce sont des billets. J'aime me péter un doigt, Mamounette. Ce sont des billets qui se mangent. Non, attends. Alors, attends, je crois que j'ai carrément tout pété. J'ai pété, là. Ouais, moi aussi. Ah, bah voilà. Attends. Regardez toute la moula que j'ai. Regardez toute la moula. Alors, on a 5 euros. 5 euros, rien de moulette. Waouh, hein. Ça se mange en fait. Ça se déchire, petit tissu, mais je crois qu'on en achète tout le temps. On a 2 euros. Voilà, et ça se mange. Euros. En fait, c'est tous les 5 euros. Hein. On a 5 euros. Ma moulette. Ouais, mais t'as vu, je distribue. Ouais. Regarde tous ces sous qu'on a, Mamounette. Des faux sous en fait, hein, ça se mange. Donc ça a pas trop de goût. Fais voir, j'essaye. Un goût de papier. Ouais, voilà. Donc c'est bon. Mais on aime bien. Là, c'est bon. Ensuite, on est parti sur de la décoration. Ouais. Ouais, vas-y, envoie-moi. On a énormément chez Jiffy. Je me suis pris pour moi cette petite boîte en verre. Voilà. Petite boîte. Voilà. Oh, mais c'est on mignon. On peut mettre comme des tout. Petits bijoux, plein de petites choses à l'intérieur. Le problème, c'est que Mamounette, pour mettre des bijoux, il faudra en avoir. Ah, est-ce non, que mais c'est un appel? Elle est très belle, donc du coup, je ne vais pas vous la donner parce que vous allez me la casser. Voilà. Est-ce que c'est un message, Mamounette? Oui. Pour que je t'achète des bijoux. Ensuite, j'ai pris une petite boîte en osier. Alors, il y a plein de déco, des petits paniers comme vous ça. Vous voyez, il y a le coronavirus, il faut mettre des masques. Bah, maman, va mettre ses masques ici. Voilà, parce que les masques sont dans l'entrée, les boîtes sont pas jolies. Donc, du coup, j'ai décidé de. Je voulais une petite panière en fait, jolie pour les Et on peut mettre un masque comme ça, regarde. Voilà, j'ai ça te va très bien, papouné. Ensuite, j'ai pris des petits coussins. Oh, on va dormir. Oh, ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques, Mamounette. Ils sont un petit peu mousseux. Ouais, il y a deux textures différentes, un petit peu un effet lin, pas mal pour aller sur le canapé. On a tout ce que j'aime, Mamounette. Ensuite. Pour dormir et pour manger. Bon, alors le geste suivant, Papounet, c'est pour toi. Ah, voilà. Pour je te l'ai pris en ce moment chez Jiffy, il y en a plein. Ouais. Ce sont des écouteurs Bluetooth. Oh, des écouteurs Bluetooth. Oh, génial. Oh, attends, Mamounette. Oui. Pour me faire travailler de t'acheter ça, Mamounette. Oui, c'est vrai. Alors ils sont à moins de 15 euros et il y en a plein. Ils ont 10 heures d'autonomie, Papounet. Il y a même. Le petit étui pour pouvoir les recharger. Tu veux dire que je vais pouvoir travailler pendant 10 heures d'affilée oui, à faire des montages. Tu vas pouvoir monter 100% des vidéos, tout ouais, à fait, ouais, c'est parce ça. Que le petit copain de copine, c'est moi qui monte presque toutes les vidéos sur la chaîne. Mais c'est et bien, donc, bravo. Je vais vous montrer l'écouteur que j'utilisais jusqu'à présent. Ah oui, montre-nous ta relique. Voilà. Voilà. Voilà l'état de l'écouteur et oulala, mais c'est tout pété, Papounet. Oui, bah écoute, voilà. Hein, moi, non je mais fais... vous savez quoi? En fait, il les a sur les oreilles. C'est branché au PC, bien sûr. Et quand il a besoin de se lever, il oublie d'enlever ses écouteurs et du coup il embarque tout avec. Casse tout. Je me dis peut-être que ça va être bien pour toi. Oh oui, on les voit. Regarde ma Mamounette. Regardez. Voilà. Donc Bluetooth, ça veut dire sans fil et ça veut dire forcément qu'il faut les recharger. Voilà. Bon, bah écoute, on verra bien. 3h30 d'autonomie en écoute, jusqu'à 10h en fonction de comment tu les utilises. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Oh, dégoûtant. Bon, et alors, pour presque terminer cette vidéo, les doudous. Oui. Chez Jiffy, il y a tout pour ranger dans la maison. Ah, oui. Et alors, Ellie, elle a une passion en ce moment, c'est les petites boîtes de rangement pour pouvoir mettre ses petits trésors. Non, regardez, il y en a plein des différentes. Il y a des tailles différentes, des petites, des moyennes, roses, transparentes. Oui, donc, comme ça, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et regardez celle-ci. Et celle-ci, elle a plein de petits compartiments pour pouvoir tout organiser, comme des perles, etc. Plein de choses. C'est un peu comme une boîte où on peut ranger des clous, des vis, un peu une boîte de bricolage. Ouais, tout à fait. Alors, ce qu'il y a de bien chez Jiffy, c'est que c'est vraiment pas cher. Ce sont des boîtes, alors attends, je vais t'aider. Ouais. Ce sont des boîtes qui coûtent quelques euros seulement. Oui, et c'est de bonne qualité, donc c'est cool. Regardez. Tu veux manger ta moulaga? On met la moulaga. Voilà, on plie bien. Ouais. Voilà, et on met dedans et on referme. Et moulaga protégée. Hop, ok. Protégée de la pluie. Bon, ben voilà, on vous a montré tous les petits objets qu'on a trouvés sauf un. Ouais. Voilà. Sauf un gros. Comme un gros, un énorme. Mmh. Et d'ailleurs, il va falloir qu'on vous embarque avec nous à l'extérieur. Mmh, ouais, c'est ça. Et puis, comme une copine, ce que je vous propose, c'est de finir de manger mon billet. Oui. Ensuite, je vais prendre la caméra moi-même. Et je vais vous emmener avec moi dehors pour découvrir ce qu'on a trouvé chez Jiffy. Regardez, je m'envole. J'ai pas fait Wingardium Leviosa. Mamounette, elle peut pas s'envoler. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ça marche moins, hein. Ah, hyper efficace, ouais. Moula, tiens. Bon, allez, tu vois une copine.
On y va? On va dehors? Allez, c'est parti! Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Bah ça y est, on vous emmène avec nous dehors. On est sur la terrasse et on va vous montrer cet achat mystérieux. Regardez, Ellie, elle est à fond derrière. On va vous donner un petit indice d'abord. On va pas vous dévoiler tout de suite comme ça ce super achat. Hein, on va appeler ça un achat. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces sacs? Tu penses que c'est quoi ça, ma puce? Du sable. C'est du sable, oui. Regardez, on a 7 sacs de sable. Regardez. Il y a tout ça, il y a tout ça. Regardez, je vais compter pour Allez, compte-les. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a bien 7. Eh bien, regardez où est-ce qu'on va aller verser ces sacs. Oui. Attention. Dans deux bacs à sable. Alors en fait, réellement, il y en a un qu'on va remplir. Et ça, ça va servir de couvercle. Voilà, donc ça va recouvrir comme ceci. Et ça fait une pomme. Vas-y, mets-le comme il faut pour voir. Alors voilà, il faut le tourner. Ça se connecte et ça fait une pomme. Bon là, Ellie, elle galère. Ouais, c'est à peu près ça. Regardez, là, on a des petits trous. Ça va nous permettre de connecter. Regardez, je vous le fais. Hop, 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 hop. Voilà, on est connecté et on a une vraie pomme à la fin. Et comme ça, le sable, il est protégé. Et pour l'enlever, il suffit de le soulever, ouais. Voilà, comme ça. Alors, ce que je vous propose, les petits copains et petites copines, c'est de commencer à remplir avec ces sacs qui sont là. Et puis, vous allez suivre avec nous l'évolution de ce remplissage de bac à sable. Allez, c'est parti, on commence. Go! On va aller, bah oui, go. On va remplir avec le premier sac et on verra combien on a de sable. J'espère qu'on en a pris assez, hein. Je sais pas du tout. Si on en a pris trop, bah, on en prendra pour plusieurs jours. Trop ou peut-être pas assez, hein, je sais pas. Moi, je pense qu'il y en a assez. Regardez les petits copains et copines. Bon, écoutez, on prend les paris. Moi, je pense qu'il y en a assez. On va voir. Allez, on met le premier sac dans le bac à sable et on se retrouve tout de suite après. C'est parti. Et voilà les petits copains et petites copines. On a vidé un sac. Alors, on va voir ce que ça donne par rapport à la quantité requise par ce bac à sable. Regardez, c'est déjà bien rempli, moi je trouve. Un seul sac, ça remplit vachement bien. Mais bon, on voit qu'il n'y en a pas assez, hein. Regardez, on voit le fond. Si je fais ça, on voit déjà le fond. Donc là, on va mettre un sac supplémentaire. Je suppose qu'on va arriver ici. Moi, je pense qu'on a pris beaucoup, beaucoup de sable, finalement, parce que rien qu'un sac, ça remplit déjà beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, ma puce? Ouais, hein, tu penses aussi? Bon, on va en mettre un deuxième, on va voir ce qui se passe. Allez, à tout de suite, les petits copains et copines. Et voilà, j'ai versé un deuxième sac dans ce bac à sable. Regardez, ça commence à bien se remplir, mais on voit que ce n'est pas suffisant, hein. On va mettre un troisième sac, on va voir jusqu'où on arrive. Allez, on va d'abord étaler un petit peu ça. Hop là, voilà. Ouais, c'est pas du tout suffisant. Regardez, il reste encore au moins 20 cm pour arriver tout en haut. Allez, je mets un troisième sac. De toute façon, on a du stock. C'est parti, je remplis. Sac numéro 3, vidé. Regardez, ça commence vraiment à prendre forme, mon histoire. Alors pareil, je vais l'étaler un petit peu. Voilà, 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 voilà. Et là, on s'aperçoit qu'on est pratiquement à la moitié. Donc si je calcule bien, on a mis 3 sacs, on en est à la moitié. Donc si j'en mets encore 3 autres, on devrait être vraiment tout en haut. Donc on aura peut-être un sac de trop. Bon, on va voir. Allez, je mets le quatrième sac, c'est parti. Et de 4 sacs, voilà, 4 sacs ont été désormais vidés dans ce bac à sable. Regardez, ça commence vraiment à se remplir. Là, je pense qu'on est pas mal, on aurait même pu s'arrêter là, je pense. Pareil, je vais écarter un petit peu ce sable, histoire de voir où on en est. Voilà, on va aplanir la surface. Et là, c'est pas mal du tout, regardez. Ouais, 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 ouais. Bon, il reste encore 3 sacs. C'est parti, j'en vide un cinquième, go. Oh, regardez-moi cette montagne de sable. Oui, 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 regardez-moi ça. On a mis le cinquième sac et là, ça commence vraiment à avoir du relief. Hein. Là, c'est très, très bien rempli. Je me demande si je peux déplacer ça. Oh la vache, non, j'y arrive même plus. C'est super dur. Là, je pense que la pomme, elle est là et elle est là pour longtemps. Alors regardez, voilà le volume que l'on obtient avec le sable que l'on a mis jusqu'ici, donc 5 sacs de sable. Regardez, on arrive presque en haut. En fait, on est en haut là. Mais attendez, les petits copains, copines, il n'y a peut-être plus besoin d'autres sacs. Alors attendez, je vais bien écarter, je vais bien aplanir. Je pense qu'on pourra mettre un dernier petit sac. Mais regardez, on est déjà pas mal là. Là, franchement, on est super bien. Alors, attendez, j'entends des bruits là-bas. Qui c'est? Ah bah attendez, d'accord. Regardez, regardez qui c'est là-bas. On va aller la voir. C'est Oki qui s'amuse avec son nouveau jouet.
Regardez, regardez comme elle est contente. Qu'est-ce que c'est le chien? Qu'est-ce que tu as? C'est ton nouveau jouet bâton? Qu'est-ce que tu aimes? Oh là 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 là, ça a l'air génial. Tu me le prêtes ton jouet? Est-ce que tu me le prêtes ton jouet? Regardez, regardez, elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut pas, on va essayer de l'attraper. Oh là là. Oh la canaille, regardez comment elle est partie. On va essayer de l'attraper. Viens là, viens là. Ah, raté. Regardez, elle veut jouer avec. On va essayer de l'attraper. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Allez, on y va. Oh là là. Elle est partie. Elle est partie. On va essayer de la feinter. Regardez. Attendez, attendez, on va essayer de l'attraper. Viens là, ok, viens là. Elle est canaille, elle veut jouer en fait, elle adore ce bâton, regardez, elle veut pas le lâcher, on va essayer de l'attraper. Viens là petit chien, viens là. Oh là là, oh là là, elle est partie à toute allure, j'arrive pas à l'attraper. Elle est où? Elle est où? Nom de chien, nom de chien. Oh là là, elle part trop vite, elle va trop vite, elle va trop vite. Je vais jamais y arriver. Elle est terrible, regardez-moi ça. Regardez-moi cette bouille. Oh, t'as l'air maligne maintenant, avec ton bout de bois entre les dents là. Hein? Tu me fais un sourire? Fais-nous un sourire pour la caméra. Bon allez, on va retourner à nos moutons. Ou plus tôt. C'est encore mieux que plus tôt. Plutôt le copain de Mickey? Non, plus tôt. Alors on va retourner à notre bac à sable. On va vider un dernier sac et on va voir ce qui se passe. Allez, à tout de suite. Et nous voici sur le sol lunaire. Regardez, tout est désertique sur ce sol aride, sans eau, sans vie. Non, en fait, on est juste devant le bac à sable. Hein, voilà. Donc là, on vient de vider le sixième sac et je crois qu'on va s'arrêter là parce que regardez, c'est archi plein. Donc ce qu'on fera, c'est qu'on gardera notre septième sac qui est ici au cas où, en fait, on perd un petit peu de sable parce que Ellie, quand elle va jouer, forcément, il y a du sable qui va sauter. Regardez, il y en a déjà là. Là. Oui, j'ai travaillé comme un cochon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étaler ce sable. C'est parti. Hop, hop, regardez. Oh, regardez. Alors là, c'est plein. Alors là, c'est archi plein. Oh là 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 là. Ellie va s'éclater. Là, elle a été se changer parce que pour jouer dans le sable, il faut mettre des habits un peu cracra, hein, des habits qui sont un petit peu craqués, qui sont pas en très très bon état parce que ça les abîme un petit peu. Donc, elle a été se changer et elle va jouer dans son bac à sable. Voilà les petits copains et les petites copines. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, ma puce, c'est bien ou c'est pas bien? C'est trop bien. C'est trop bien. Regardez les petits copains et copines, on s'amuse. Mamounette est en train de faire je ne sais quoi. Attends, qu'est-ce que tu nous fais là, Mamounette? Je vais préparer un bébé LOL. Un bébé regarde. LOL? Fais voir. Un bébé LOL au sable. Voilà. Ça se mange ça, un bébé LOL au sable? Eh ben, on va le faire cuire, on verra bien. Regarde, il y a des animaux trop mignons. Oh, il y a des animaux. Il y a même un bébé boy. Oh, alors notre jeu avec Ellie, c'est de cacher dans le sable des petits jouets et il faut qu'elle les retrouve après. Alors, je me laisse dire que là par là, il y a quelque chose. Est-ce que tu as trouvé quelque chose? Oui. Hein, oui, ah voilà. Ah, moi, j'ai trouvé. Bravo ma puce. Bon ben voilà les petits copains et copines. Bon, vous voyez notre bac à sable, il est complètement rempli. Ellie va s'amuser toute l'après-midi, j'en suis sûr. Pendant que notre chien, regardez, c'est pareil, il s'amuse aussi toute l'après-midi. Alors attendez, je vais essayer de faire le focus. Voilà, regardez là-bas. Elle adore son nouveau jouet. Alors on est tous à l'ombre parce que il fait un soleil de plomb. Regardez, même Ellie, on l'a mis à l'ombre parce qu'aujourd'hui, regardez le soleil qu'il fait. Oh, il fait un soleil magnifique, c'est l'été. Les petits copains et copines, c'est vraiment l'été. Bon, on va vous laisser, nous on va profiter un petit peu de ce soleil sur notre petit terrain avec le chien, avec Ellie, avec le sable, on va bien s'amuser. Je vais essayer d'attraper le jouet du chien pour finir. Je ne suis pas sûr qu'elle me laisse. Regardez, elle me sent venir. Elle me sent venir, elle se dit non, tu l'auras pas. Non, tu l'auras pas. Non, tu l'auras pas. Je vais essayer de l'attraper. Je vais essayer de. Viens là, viens là. Ah, le chien. Ah, le chien, le chien. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Oh, viens ici. Ah, le chien, le chien. Je vais.